Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur la suite des aventures de Silent Hill 2. La dernière fois on avait parcouru un petit peu l'hôpital, on avait trouvé des clés, le petit truc sur le... l'espèce de fil sur le nounours, et le fusil de chasse. Et là où est-ce qu'on devait aller, c'était au... Non, c'était pas au dernier étage, c'était au troisième étage, pour pouvoir activer le code... je sais plus quoi. On se souvient qu'il y avait juste un code et puis c'est tout. Ah oui, qu'il y avait des monstres aussi en haut. Ah, fait chier ça. Ça, par contre, ça c'est chiant ça. Parce que les monstres ils ont des armes maintenant. Ce qui fait que ça devient un peu plus compliqué pour moi. Étant donné que les balles se font un petit peu rares. Hop, du coup, on monte en haut. Et là, les méchants. Non, c'est pas ici, hein. Non. Attends. Oui, non, non, c'était bien haut. Ok, faut encore que je monte. Tac. Par contre, si je garde cette arme-là, je vais pas aller loin avec. Hop. Oh, les points de vie, c'est chaud. J'avais pas vu ça. Ah. Emporter, recharger. J'ai plus de balles. Ah. Non, 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 non. Oh, c'est la merde ça, j'ai plus de balles de pistolet. Oh non, sérieux. Oh, c'est chaud ça. Oh non. Allez, boum. Là, ça va chier là. Allez. Et méchant. Encore. Deux. Oh, oui. Oh, ils sont pas là. Oh, yes. Allez. Donc là, normalement, c'était 12. 12. Aïe. Aïe. 80. 11. Non, c'est pas ça le code? Hein? Alors du coup, je vais essayer un autre code. C'était 7, 3, 3, 5. Normalement. 3, 3, 5. Oui, c'était ça! Ah, donc du coup, il fallait pas regarder les chiffres du premier document, mais celui de la fin de la dernière vidéo. Ok! Ça marche, là. J'ai compris. Capite. Oui, il y a des monstres. Oh oui! Ça pue comme une maison ça! Ok, donc on peut aller derrière. C'est fermé, forcément. C'est fermé. Ouh, j'aime pas là! Ouh, il y a des sons là! Ça m'inspire pas confiance. Ah, ils arrivent! Oh! Ah, bah c'est que toi! Putain, ils en font de la musique pour si peu. Ah merde, avise au moins. Bah vas-y. Voilà. Allez, coup de pied. Voilà. Fini. Ok, c'est fermé. C'est fermé. Yes, c'est ouvert. Allez, dis-moi qu'il y a un truc intéressant dedans. C'est quoi en plus? C'est des espèces de dortoirs, non? C'est juste les chambres? James. Wait a minute. I'm kind of tired. It's just a hangover. You should rest. So comfy. I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. Ok. Bon, au moins, ça c'est. Ouh, très bien. Ça, moi, c'est une bonne chose, c'est qu'elle va rester ici. Merde. I'll be okay soon. Did you find Laura? Ça, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera plus dans mes pattes. Ça, c'est très très bien. Au moins, il n'y a plus de risque que je la tue ou qu'elle se fasse tuer. Oh non, elle s'est relevée l'autre. C'est quoi ce bruit encore? Oh, fais chier. Ouh! Il se passe que des mauvaises choses. Ah, bah oui. Bah oui. Ah putain, il est devant. Boum! Allez hop.
Frappe, frappe, frappe. Frappe. Voilà. Il y en a un autre là-bas, là. Boum. Dans ta gueule. Frappe, frappe. Oui. Encore un autre. Ah ouais, putain, mais il y a du monde, là. Boum. Et le coup de pied. Voilà, nickel. Bon, il n'y a plus personne. On va essayer de plutôt faire ça dans l'ordre. Ce sera mieux. Alors, donc, quelle porte je n'ai pas fait encore. Donc, si je me retourne, on commence à toutes les faire. Ok, donc, l'autre côté. Tac. Celle-ci. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue pas. Ah, nouvelle porte. C'est quoi ce liquide? What? Alors, quelque chose est coincé dans le tuyau d'évacuation. Le trou est trop petit, je n'arrive pas à l'attraper. Si j'avais un truc fin, étroit, j'arriverais peut-être... Le fil! Est-ce qu'il faut utiliser la pâte de fil ici? S'il vous plaît, c'est quoi ça? Clé du toit. Ah non, non, ok, d'accord. Utiliser? Oh yes, c'est ça! Oh yes! Ce n'est pas assez long. Quoi? Je m'attendais pas à ça. Avec ça, non? Je sais pas, il y a une espèce de petit bout au bout, non? Ça ne sert à rien pour l'instant, on va être dur. À moins qu'il en faut un deuxième, du coup. Et si on en trouve un deuxième, on pourra en faire un double. Ah putain, sérieux! Dégage! Allez! Boum! Putain! C'est pas croyable ça. Ok, donc on recommence à partir d'ici. Non. 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 Putain. Oui, que des portes condamnées. Super. Oh, il y a une sauvegarde. Oh. Ah bah, c'est pas moi qui vais cracher dessus. Ah, nanananananana. Hop. Voilà. Parfait. Tac. Ouais, je sais pas du tout ce qui nous attend là. Au moins, on peut aller dans le tome maintenant. Est-ce que c'est une bonne chose par contre? Ça, c'est ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Ok. Ouais, c'est quoi tout ça? Ils sont sérieux? Attends, le 1291 est peut-être quelque part par là. 12. 91. Super! C'était ça! Lui, par contre, je l'ai pas, lui. Ça, là. Ah, est-ce qu'on peut le crocheter, ça? Putain, je vais essayer de voir. On sait jamais. Tac, utiliser. Ça ne sert à rien pour l'instant. Ah bah non, dommage. Tac, les points de vie. Très important. Ok, donc il faudra revenir ici pour cette boîte. Donc il manque un code. À part ça, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Hein. Plutôt bien, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où on n'est pas encore allé? Ok, juste un, mais le filon on peut pas, donc c'est bouché. On a tout fait là. Donc s'il nous manque, c'est aller tout en haut. Donc le toit, et éventuellement si on peut aller dans les 2-3 portes qui sont ici. Ce qui m'étonnerait quand même, mais bon. Ouais, non, la porte est... Elle est condamnée! C'est cassé. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Ok, donc faut aller sur le toit. À moins que j'ai encore oublié quelque chose ici, ce qui me ferait terriblement chier. Ok. Donc là, boum. Porte du toit. Il y a un truc là, non? C'est verrouillé? Ah, c'est verrouillé. Je peux rien en faire. Tac. Donc là, c'est ce qui me permet d'aller sur le toit. J'aurais dû peut-être regarder la carte avant. C'est bon. Nickel, c'est beau tout ça. Tac. Ah, il va se passer de la merde. Ah, de la merde. Ah. Ah non. Ouh, il fait nuit par contre. Ouh. Ouh, j'aime pas trop beaucoup ça moi. Un jeu d'horreur dans le noir. Comment expliquer que ça pue? C'est quoi ça? Il y a quelque chose par terre. Un journal intime? Comment ça? Alors, vas-y, lis-moi ça là.
9 mai, il pleut. J'ai passé la journée à la fenêtre. C'est calme ici, rien à faire. Toujours pas le droit d'aller dehors. Ok. Il pleut toujours, j'ai discuté brièvement avec le médecin. M'aurait-il sauvé si je n'avais pas eu une famille à nourrir? Je sais que je suis ridicule et faible. Tout le monde ne peut pas être fort. La pluie, toujours, les médecins m'ont fait vomir aujourd'hui. Si je dois me gaver de médicaments pour ne pas souffrir, à quoi ça sert? La pluie, comme d'habitude. Je ne veux plus embêter personne, mais je suis un fardeau, quoi qu'il arrive. Est-ce un péché si terrible de capituler au lieu de se battre? Très bonne question. Certains pensent que oui, mais ceux-là ne sont pas dans ma peau. C'est peut-être égoïste, mais c'est ce que je veux. C'est trop dur comme ça, vraiment trop dur. Le temps s'éclaircit. Les médecins me laissent rentrer. Ils me renvoient chez moi. Dur. Que pouvait bien faire ce journal ici? C'est très bizarre. Il y a forcément un truc à faire, le journal. Il ne m'apprend strictement rien. C'est juste une petite anecdote. Oh non! C'est quoi ce bordel? Putain, j'ai mon cœur qui bat là. Ouh! Du coup là on est où là? Il est débarqué d'où ce fiston? Ah, il m'a poussé à l'intérieur. Mais c'est très bien ça. Du coup je peux déverrouiller. Voilà. Par contre vraiment il est arrivé de nulle part quoi. C'est boum. Du coup je suis même pas rentré dans cette fameuse porte. Ah, il y a un truc écrit là. Alors le mur porte une inscription. Si Joseph a l'air calme, on peut le sortir de sa cellule. Ah, y a quelqu'un là-dedans là? Oh fuck! Ici. Ah, quelqu'un. Non, s'il vous plaît, personne. Ouh, y a du sang. Beaucoup de sang. Y a un message sur le mur. Calme. 49. Je suppose que c'est un 8. 82, je pense. 62. C'est pas grave. 49, 2. Et après, on va essayer tous les chiffres s'il le faut. Tourne, tourne, tourne les chiffres. Surtout ne pas les oublier. Je vais les écrire là. L'autre, mon nom secret. Hein? Je pensais qu'il y allait avoir une suite. Ok, donc tout ça, c'était juste pour avoir... Merde, c'est quoi du coup le chiffre là? C'est 49, 2. 49, 2. 49, 2. Faut que je m'en souvienne de ce putain de chiffre. Je m'en souviens même plus où est-ce qu'on l'a fait. C'était tout au fond là-bas. Ok. 49, 2. Et je pense qu'il va quand même manquer un petit truc là, une clé ou je sais pas quoi. C'est chiant ça. 49, 2. Hop. Ah, c'est des monstres là, t'inquiète pas que je vais les tracer. Et c'était pas de ce côté. Ah si, super. Hop. Parfait. Allez, pas d'ennemis s'il vous plaît, pas d'ennemis. Oui, ils sont tous par terre. Comme quoi, finalement, ça sert de les tuer. Oh, yes. Oh, ça fait plaisir. La boîte. La Chekhov's boîte, là. Elle est où? Voilà. Donc là, elle était pas cette inscription tout à l'heure. Il y a un message sur le mur. Je vais m'occuper de toi pour toujours. C'est mon destin. Ça y a été tout à l'heure? Ouh. Ça me paraît bizarre. Alors, donc là, c'était 4. 9. Merde. 9. Là, je suppose que c'est un 8. Merde. Putain, je maîtrise pas du tout ce machin. 8, 2. Tac, non. 1. 1. On pouvait utiliser cette clé. J'ai utilisé la clé œil de lapis. Oh non, il me manque que ça, sérieusement. Et c'était bien 49, quelque chose de quand même, non? Oh putain, vas-y, faut que je retourne là-bas. Vas-y. Je fais un petit aller-retour, histoire de vérifier, et je reviens tout de suite. Quoi? Comment ça, j'ai réussi à ouvrir? Non, c'est pas ça, il y a des cheveux dedans. Attends, on a fait tout ça pour des cheveux?
Mais je comprends même pas du coup c'était quoi le code? C'était un 6? Mais non, c'est pas possible, c'est pas un 6, ça ressemblait pas du tout à un 6. Bon, le plus important c'est qu'on ait réussi. Tac, maintenant il faut qu'on aille retourner aux douches. Le problème c'est que les douches, je sais même plus où est-ce que c'était les douches. Non, ça a pas l'air d'être dans cet étage. Quoique. Quoique, quoique. Bon, on va les refouiller, hein. C'est peut-être la première porte. Non, c'est pas celle-là. Oui, c'est celle-là. Si, c'est. Si, 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 c'est là-dedans, je crois. Ah non, là, c'est là où il y a. Ok, d'accord. Bon, c'est rien à voir avec ici. Bon, si je regarde la carte dans son ensemble. Alors, en bas, voyons voir en bas. Merde, putain, j'appuie sur le bouton. Quoique. Non, c'est pas ici. Il n'y avait rien ici. Mais c'était juste là. Shower room. Mais putain, mais je suis con. Putain, mais je sais pas lire. C'est un shower room. Et voilà, shower room. Tout simplement. Je suis bien du bon sens, hein. Oui, c'est bon, c'est bien là. Tac, nickel. Là, normalement, on devrait pouvoir. Avec des cheveux, je sais pas comment il va réussir, mais bon. Donc, tac, les cheveux. Hop, utiliser. Ça ne sert à rien pour l'instant. Sérieux? Ah! Ah! Ça ne sert à rien pour l'instant. Bah, yes. Bah, ouais, bah ça m'aide vachement. Ah, et là, du coup? Ça marche? Oh, yes! J'ai une clé d'ascenseur. D'ascenseur? Quel ascenseur? Il y en avait plusieurs. Faut prendre celui du bas ou celui du haut en plus. Et ça, c'est l'ascenseur, ça. Il y a un autre ascenseur là-bas. On va essayer de commencer d'abord juste celui qui est à côté. Tac. Et du coup, c'est là. J'utilise une clé d'ascenseur. Nickel. Et on va où là? Ah, on peut choisir. Le sous-sol. On n'est pas encore allé au sous-sol. Donc s'il y a un sous-sol. 1 et 3. Ok, on est arrivé. Ah, et là, on est derrière. Ok, ça marche. Du coup, on a réussi à faire le contour. Ça, c'est le top, ça. Alors, la première porte, c'est la cassée. Par contre, la voie là, je l'aime pas la voie là. C'est chiant ça. Ça se rapproche. Il est par là. Il y a le grand méchant. Il y a un truc à récupérer là, forcément. Non? Ah, des balles, il y a des balles. Fusil de chasse. Pistolet? Non, on m'en donne plus de pistolet? C'est chiant ça. Le monstre. Le monstre. Je sais qu'il est là. Oh! On va tomber sur lui. Ok. Des nounours. Liar! Laura,
fine. Don't believe me. But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? Get it, is that okay? Yes, yes! Come on, hurry up! Is it in there? Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. Laura! What are you doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay, I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why, you... Laura? You fucking... Oh, c'est quoi ce bordel? Ah oh, putain, j'ai pas à mourir en plus là, j'ai pas sauvegardé. Boum! Ah putain, faut que je recharge. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Boum! Boum! Je l'ai tué, ça va en fait. Attends, on peut se casser peut-être, non? Ah, dur. Pensez pendant un instant qu'on pouvait partir. Boum! Ça va, ils font pas mal finalement. Oh bah ça va. Et là, il faut faire quoi du coup là? Faut que je nique le mécanisme, non là? Parce que là, ça pue. Wow. Boum. Merde, faut recharger. Pourquoi ils viennent sur moi là? Dégagez. Allez. Boum, meurs. Oh putain. Ah mais ils me chopent avec leurs pieds. Oh les petits cons. En plus non mais vraiment putain, c'est la pire gamine du monde ça, j'ai envie de la tarter là. Ok c'est bon, ils m'ont rien enlevé comme point de vie. Par contre j'ai quasiment plus de munitions là. Bon, de toute façon on n'a pas trop le choix. Par contre le problème c'est que si j'ai plus de munitions pour les tuer. Oh putain merde, il m'a encore eu. Allez dégage. Putain elle meurt, je t'en supplie. Oh lolo! Boum! Ah, il a rangé ses pieds. Parfait ça. Il y a où? Non, mais il y en a un troisième qui vient. Mais c'est n'importe quoi. Putain! Il va me choper. Boum! Vas-y encore. Boum! Allez, je t'en supplie. Ah, mais c'est pas un boss, c'est n'importe quoi ça. C'est gage! J'ai plus de munitions, je fais comment? Putain! Boum! Allez, prends-toi encore une! Mais il peut pas mourir! Ah! Oula, il se passe quoi? Oh non! C'est n'importe quoi!
est-ce qu'on est? Comment on a fait pour arriver ici, là? Wow, mais il se passe n'importe quoi. Hein, on est dehors. Mais je comprends plus rien, putain. Puis l'autre morveuse, là. Quand je vais l'attraper, elle, putain. Oh, j'espère qu'il va lui mettre au moins une baffe. Au moins. C'est le strict minimum. Il y a des portes de partout. Oh, une sauvegarde. Oh, yes. Tac, fusil de chasse. Yeah. Voilà. Ouais, puis on va quand même pas s'arrêter maintenant. On va quand même continuer encore un petit peu. Bah oui, au moins voir ce qui se passe derrière, là. Quelle porte? Ok, c'est pas celle-là. Parfait. La merde n'est pas finie, hein. Il y a encore plein de merde de partout qui va se passer. Là, une porte. Non, c'est pas une porte, ça. Dur. Ouah, tu sens sa mère. Oui. Ok. Boum. Non, on va éviter de gaspiller les balles, là. Il en reste plus beaucoup. Voilà. Hop. Et on va prendre ça à la place. Allez. Frappons-le. Couchez, j'ai dit. Putain, mais il veut pas, hein. Ah, bah voilà. Allez, coup de pied. Là. Génial. Donc, on a trouvé une trousse de soins. Et à part ça, il y a quoi d'autre? Ne me dis pas que je me suis battu avec lui. C'était quoi, ça? Ouh. Une fenêtre qui s'est pétée, là. Ouh. Il a dû se passer un truc dehors. Non? Ouh. Ouais, non, ça pue, c'est pas possible. Merde, faut aller dans quel sens, du coup? Ouais, faut bien aller dans ce sens-là. Ok. Ah, il y avait encore un ascenseur. Je l'ai pas vu. Bon, ça pue. Ah, on peut rentrer, nickel. Ah, putain, mais il y a des monstres de partout. Mais c'est n'importe quoi. Oui. Couchez. Mais putain, mais elle va mettre des coups en plus. Allez, meurs. Par terre, voilà. Pèse mon pied. Boum. Parfait. Allez, des balles, il me faut des balles de n'importe quoi, là. C'est pas ce que j'espérais, hein. En tout cas, on va là-dedans, tout ça pour de la merde, vraiment. Alors, il y a une porte, droite, devant, et sur le restroom. Alors, tac, du coup, il y a une porte là, c'est mort. Il y a une porte là, c'est mort, et là... c'est tout fermé. Du coup, on est obligé de prendre l'ascenseur. Ok. Bon, bah, au final, je pense que du coup, je vais m'arrêter là et puis on fera ça la prochaine fois. Yep. Et du coup, je vais Oula, mais c'est quoi ce machin derrière? Ça va se faire pas confiance. Enfin bref, sur ce, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à faire votre tour, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour l'aventure de Silent Hill 2. On va essayer de mettre une putain de grosse tatane à Laura, là, petite gamine de merde. Enfin bref, passez une très bonne soirée. Au revoir.